Alors, il n'y a aucun intérêt à mettre en place un régime végétalien chez l'enfant et l'adolescent pour des raisons de santé, que ce soit une allergie ou que ce soit une pathologie digestive sous-jacente. Ce type de régime est fortement déconseillé chez l'enfant et l'adolescent car il entraîne des carences nutritionnelles inéluctables, notamment chez l'enfant de moins de 1 an, où on peut voir des situations totalement dramatiques avec quelques décès dus à des carences majeures. Lorsqu'il est mis en place chez l'enfant plus grand ou chez l'adolescent, il faut compléter finalement ce régime par l'ajout de micronutriments comme le fer, le calcium, la vitamine B12 ou la vitamine D.